Salut tout le monde, c'est Kira Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mafia 3. On va continuer à les fracasser du Mac. Non, là on va les fracasser du Mac. Parce que je fais un truc pour faire sortir quelqu'un, vous allez voir. Bon, si vous n'avez pas suivi, je vous recommande d'aller voir les vidéos que j'ai faites avant pour bien comprendre l'histoire. Parce que là c'est vrai qu'on prend un petit peu en cours de... Vous prenez un petit peu en cours de chemin quoi. Là c'est magnifique là. Le soleil et tout, c'est trop trop beau. Bon, il y a un Mac juste là, on va aller le voir. Faut que je lui fasse la peau. Je vais lui arracher les poils du cul. T'as comment j'ai esquive? Allez. Je sais pas du tout comment m'y prendre. Je suis en territoire ennemi. D'accord, c'était pas trop chaud pour que je passe par là. Y'a pas un autre chemin? Il m'a pas vu. On va peut-être pousser le corps. Ah, ça se complique là. Comme... D'accord, c'est bon. C'est lui qui se la pointe, c'est celui que je voulais. Allez hop là. Attendez, j'ai oublié d'enlever ma tête. Il est où? Ah, il est là, dans cette maison. C'est lui qu'il faut que je tue. Et ben voilà! Je suis massacré. Dégâts terminés. Attends. Tirez-vous de là. Honneur aux anciens. Plus rien à gagner. Quand vous aurez fait dégâts pour réduire les gains du trafic à zéro, vous pourrez retourner voir votre contact pour en savoir plus sur le boss du trafiquant. Ok, en vrai, je suis pas obligé de... Non, je prends tout ce que je peux. Vous savez quoi, on va se barrer. On va le retourner voir l'autre. En fait, j'ai fait assez de dégâts. C'est de sa mère. Un témoin appelle la police. Où? Oh. Ah putain. Les guetteurs sont des ennemis chargés d'appeler. Ouais. Voilà. Elle appellera personne comme ça. On se casse. Bon, d'une petite cerise. Ouais, c'est bon. Ah, on sort. Allez, j'ai oublié d'arrêter cet appui. Ah, je suis content de t'avoir. Ouais. Si vous continuez, tous les objectifs de trafic inachevés seront supprimés. Je m'en fous. Ça me fait plaisir. Merle se terre au père là. Pareil qu'il crève de rage. J'aimerais bien voir sa tronche à ce connard. On se met bien d'accord. Une fois que je suis à l'intérieur, je descends tous les connards qui se mettent sur ma route. Personne va pleurer pour ces salauds. Fais comme tu le sens. À la prochaine, Lavo. Ça défonce. On va tuer Merle Jackson.
Là, je vais faire le tour. Là, j'ai trop envie de tester cette caisse. Là, par contre, je me suis fait un petit blocus tout seul là. Ouais, c'est bon. Là, je précise que je joue avec la conduite simulation. J'ai pas vu, il y en a une de différence par rapport à la normale, mais elle est pas grosse quoi. Mais bon, déjà, elle glisse plutôt pas mal les voitures. J'aime bien la conduite, j'aime bien. Allez, c'est bon. On y retourne. Appel des associés. Vous pouvez maintenant appeler les associés grâce à la radiophonie. Je vais attendre. C'était le truc là en fait. Ouais, mais j'appelle pas d'associés. On se la fait discretos. J'ai encore du mal à croire qu'un connard de bamboula ait les couilles de s'en prendre à nous. Je pensais qu'après Samy, il se serait calmé. Ah, moi ça. Je me l'enfilerai bien, celui-là, rien ne l'arrête. C'est le diable en personne, ce con. Arrête de boire ton torboyau. Personne n'arrive à lâcher. Comment je fais? Faut que je monte en haut. D'accord, là c'est pour sortir. Nous, on veut monter. Ah, regardez, il y a le casier d'armement, ok. Oh putain. Je suis désolé, mon ami. Chut, chut. Non, silence. J'ai cru qu'ils m'avaient grillé. Ils vont me voir là. Ils m'ont pas vu. C'est pas magnifique ça. Non seulement il a eu les filles, mais en plus il a buté Doc. Ouais, il était perdu d'avance. Putain, Doc se fait descendre. Il est un négro. Il doit pas être sicorien, si. S'il a... Voilà. Voilà, c'est bon. Raconte-moi encore. Alors, tuer des boss de trafic. Hein. Neutraliser le boss de trafic pour en prendre le contrôle. Alors, puis contactez un de vos colonels qui enverra des renforts pour sécuriser les lieux. Une fois, comment un foutu négro a pu se balader ici sans avoir le moindre problème? Je t'écoute. Désolé, merde, j'étais pas sur place. Je fais que... C'est trop. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Alors, tu vas faire quoi, le négro? Ça. Oh, magnifique. C'est magnifique. Oh, putain. Nightclub. Ah, maintenant, il est à moi, tu sais. Assigné à Cassandra, voix d'amélioration associée. Voix d'amélioration associée. De l'associé. C'est ça. Semir, alors, un outil de diversion à distance. Ah, je vais téléphoner. T'sais. On a chassé ces enfoirés de Dixit chez Perla. Demande à tes hommes de boucler les lieux. Pète sa mère. C'est chez nous maintenant.
En 1966, le FBI m'a recruté à la sortie de la fac. J'ai d'abord été affecté à Atlanta, puis on m'a transféré à New Bordeaux début 68. J'y suis resté jusqu'en 86, quand j'ai été promu directeur adjoint de la section organisée. Il n'a pas de meubles chez lui, quoi. Je suis resté au FBI jusqu'à ma retraite en 1999. On raconte énormément d'histoires sur Cassandra. Enfant, elle aurait été enlevée, tuée et ramenée à la vie par un prêtre vaudou. Elle aurait assisté au viol et au meurtre de sa sœur par des malfrats. Elle aurait abattu son propre père et abandonné son corps dans les marais. Bien sûr, impossible de démêler le vrai du faux. C'était une petite parenthèse pour nous dire que... elle n'a pas eu une enfance facile. Bon, il est à nous maintenant. Mission principale débloquée. Alors, je débloquais une mission. Je sais pas si je vais faire la mission tout de suite ou est-ce qu'il y a autre chose à faire. T'as écouté la voix de Del Rey hier ? C'est moi ou j'ai des drôlements en rogne ? C'est quoi ça, la Zemi hurlante ? Alors, hein ? Diversion auprès de certains groupes d'ennemis, vous pouvez reçu quelques-unes des gratuites. Ouais, c'est... c'est marrant, mais je vois pas trop utilité, moi. Je suis pas trop ces conneries. Voilà, ça c'est fait. Ok, alors maintenant comment ça se passe? Héros, Denova a des infos sur les responsables du trafic d'héroïne. D'accord, il n'y a rien d'autre à faire? Là c'est Cassandra. Non, il n'y a rien d'autre. Bon, en fait j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faudra que j'aille faire ça après. D'accord. Oh merde! Putain! Ouh, c'est quoi cette caisse? Personne n'y trouve à redire quand les blancs ou les ritales vivants. Rien de plus à faire ça. C'est qui va appeler la police là? Personne va appeler la police. Je vais juste rader quelque chose dans les options, comme ça je remontre à ceux qui n'auraient pas vu. Déjà les menus sont magnifiques, la collection, on peut voir le pourcentage. J'aime bien, tu vois vraiment un truc. Encore ça va, c'est soft. Il doit en avoir des autres un peu plus crapuleuses, Playboy. Il y en a plein, hein. C'est exagéré. Oui, c'est ça que je voulais faire, j'ai quitté comme un con. C'est super, qu'est-ce que je suis con. Alors... je voulais voir. Il y en a qui aiment pas trop quand ça vibre la caméra. Je voulais savoir si on pouvait y enlever. Mode de conduite, simulation. Ouais, c'était bien mis. Ah, létal, non létal. Je peux choisir de tuer ou pas tuer. Moi, je préfère me tuer, j'aime bien. Plus hardcore, plus joli. Caméra derrière l'épaule. Je sais pas. J'ai ça, déjà vu ça tout à l'heure. Ok. Affichage. Bordure d'écran, il n'y a pas grand chose. Audio, les musiques, les commandes. Non, y a pas pour la caméra. Oh merde! Putain, y'a vraiment quelqu'un qui a appelé en fait. Ok, c'est bon. Alors, on va aller voir. Voilà. Parce que ça fait combien déjà? 14 minutes. Vous savez quoi? Comme ça, ça sera pas des vidéos trop longues. Parce que je sais qu'il y en a, ils ont quand même une vie à côté, hein. Faut pas déconner non plus. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Voilà. On va sortir tranquillou. On va se mettre là. J'ai pas acheté les journaux. Il a fait 50 cents. Salut toi. Bon, il dit rien. Bon. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Oh, j'ai... l'orthophoniste, c'est pas loin. Je pense qu'il faudrait que j'y retourne. Bon, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Pensez à vous abonner. Ciao.